On voulait nous kidnapper. Marie Garay fait de terribles révélations sur sa relation avec son ex. Marie Garay était invitée sur le plateau de Samzira ce mardi 9 juillet 2024. La gagnante de Secret Story est revenue sur sa dernière relation amoureuse, pour le moins toxique et qui aurait pu lui coûter cher. Depuis sa sortie de Secret Story, les malheurs enchaînent pour Marie Garay. Elle a participé à l'émission Les Anges de la télé-réalité et cela n'a pas été de tout repos pour elle puisque la jeune femme s'est fait quitter par Geoffrey, dont elle était folle amoureuse. Mais il y a quelques mois, elle faisait de nouveau parler d'elle pour avoir été arrêtée en train de conduire sous l'emprise des stupéfiants. Une période sombre de sa vie qui fait suite à des rencontres et des relations amoureuses pas toujours très saines. Ce mardi 9 juillet 2024, Marie Garay était présente sur le plateau de Samzira, dans toute intimité. Face aux youtubeurs, elle est revenue notamment sur son couple avec Geoffrey, « Je ne l'ai pas particulièrement aimé, je me rends compte. Je ne l'ai pas aimé en fait. C'était un sentiment d'amour, mais non », a-t-elle confié. Marie Garay, c'était une personne à problème. Une relation qui l'a beaucoup fait souffrir à l'instar des suivantes. En effet, quelques années plus tard, elle rencontre un autre homme après sa séparation avec Damien, qu'elle baptise Johan et qui lui a fait vivre l'enfer. Cette personne, 2 mois après le début de notre relation, s'est retrouvée en prison, un menteur fini, introduit-elle pour planter le décor. C'était un ami de mon couple avec Damien, son ex. On s'est connu en même temps que j'ai connu Damien. Par la suite, quand je me suis séparé de Damien, il est réapparu dans ma vie. Et on a décidé de se mettre ensemble. En fait, j'ai des sentiments qui sont nés pour lui et pour moi c'était totalement fluide. C'était la première personne avec laquelle j'avais décidé de ne plus mentir et d'être moi-même. J'avais l'impression que c'était la première personne qui m'acceptait tel que j'étais, avec ce brin de folie énorme et naturel. Apparemment, si est quelqu'un de violent mais il n'a pas eu le temps d'être violent avec moi en 2 mois. Marie Garay explique ensuite que celui qu'elle qualifie de pervers narcissique lui a fait vivre 2 mois très bien mais aussi 2 mois d'enfer, je ne sais même pas pour quel fait il part en prison. Ni mon avocat, ni lui-même me le dit. Tout ce que je sais, si est que j'ai vécu 2 mois très bien avec lui, mais 2 mois d'enfer aussi parce que c'était la période où on voulait plus ou moins nous kidnapper, ou nous demander des rançons. C'était par rapport à lui et à tous les problèmes qu'il faisait aux gens. C'était une personne à problème. Et moi, je me suis retrouvé mêlé à tout ça. Fort heureusement pour Marie Garay, cette relation est aujourd'hui loin.